Et donc bonjour à tous, c'est Daika, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une vidéo spéciale avec donc là vous voyez mon petit personnage, mon petit Kra, en compte à rebours. Donc oui, il a enfin fini F3, voilà, ça y est, c'est le grand soulagement. La fin de F3, donc on voit la team avec laquelle je l'ai passé donc à l'œuvre pour le finir. Voilà, j'ai filmé juste simplement la fin de la vidéo afin que ça soit pas vraiment pas très très long parce que bon le compte à rebours j'ai quasiment rien compris au combat donc voilà donc ça a pas été utile le fait de filmer tout le combat donc voilà et donc là voilà donc là j'ai fait en fait toutes les quêtes en fait pour le DDG donc là c'est la vidéo de présentation pour le Dofus Eglase voilà. Donc là le compte il est fini. Et donc là on passe voilà au résultat. Donc voilà, 16 minutes de combat, donc c'est très rapide. Et là pourtant j'obtiens le succès donc Donjon du Comte bien sûr. L'hiver arrive et Apocalypse Snow. Apocalypse Snow c'est pour avoir terminé les 5 boss de Frigost, donc Nilesa, Klim, Mrs. Freeze, Silargue. Et compte à rebours. Donc là, en fait, là, je m'aperçois en fait que j'ai un bug parce que je commente en différé. Donc là, je sais que j'ai un bug, mais là, voilà, vous pouvez voir un peu les succès avec le baroudeur glorieux de déloquer. Donc là, en fait, je vais me déloque, enfin, je vais me déco-reco parce que voilà, parce que je plante. Voilà. Donc je suis revenu avec un petit bravo pour le compte, etc. Et là. On parle maintenant donc pour terminer la quête pour avoir le Dofus des glaces. Il faut parler à tour de rôle à Jol, puis à Jiva. Donc Jol c'est voilà le personnage en rouge à gauche et Jiva c'est la sadidette là à droite. Voilà, donc là je regarde un petit peu, il y avait le gars qui m'a fait passer le compte, qui était ce que j'étais sur Skype en fait avec lui, donc c'est pour ça que je mets un peu de temps à valider les choses. Donc voilà, là je vais finir mes quêtes. Et enfin, je vais pouvoir avoir le DDG. Donc c'est. Voilà, c'est super quoi. Parce que c'est. Comment dire? C'est un accomplissement d'environ 150 quêtes. Donc tout Frigost 1 et 2. Donc c'est très très long. Là on parle à Jiva maintenant. Et donc là, voilà, c'est l'obtention donc d'un Dofus pour moi le plus prestigieux pour moi. Voilà, donc là on ne l'oublie pas et on reçoit la bénédiction de Jiva. Donc la bénédiction de Jiva c'est un bonus en fait sur 50 combats qu'on a et voilà et là on l'a fraîchement pondu puis œuf à la neige le fameux temps le succès avec le DDG voilà, donc là je peux vous dire que là j'étais super content hein. Là je commente environ 3 heures après mais là voilà là je compte maintenant là j'étais super content voilà. Alors là, t'as tout le monde qui m'MP, hein, la guilde, les potes, etc. Voilà, maintenant t'as fini le jeu. Bah oui, c'est sûr que là, c'est pas mal. Mais le jeu n'est pas fini pour moi, hein, pas pour autant, parce que j'ai pas encore atteint tous mes objectifs. Donc là, maintenant, on va parler au comte pour quitter le donjon. En fait, là, voilà, y a un bug, en fait. Mais bon, voilà, j'arrive donc sur la map En fait. Voilà, une fois qu'on a fini le compte, on revient devant le donjon, voilà. Et là je vois qu'il y a une AVA en fait sur la map. Donc je me dis, j'espère que je vais pas me faire aggro en fait, parce que j'étais en train de filmer. Et en plus, comme un con, je prends même le temps de regarder toutes les quêtes, etc. là où j'en étais. Et je vois que tout est fini en fait, voilà. Donc toutes les quêtes sont finies. Sauf celle-là, 1000 et un jour un destin. Il va falloir aller parler à Nilesa. Donc là, je reprends une petite popo de rappel, je quitte la zone d'AVA. Donc là, je sais même plus où aller. Hein. Voilà, j'étais tellement content que waouh, c'est vraiment what the fuck. Et là, je vais aller parler au Nilesa. Donc là, je vais faire encore un petit fail. Voilà, je vais descendre alors que il faut pas descendre du tout. Enfin, c'est là que je vais descendre.
Là, je descends alors que le nid des bah, il fallait continuer à droite. Bref. Là, je me demande ce que je fais. Donc, du coup, bah voilà, je fais un fail. J'ai toujours pas validé les succès. Hein, je le ferai à la fin de la vidéo. Donc, là, je vais courir Nilesa pour valider la dernière quête. Hein, donc, mille et un jours et un destin. Et là, on relâche la pression. Hein, parce que là, c'est franchement impeccable. Donc, je voulais remercier en tout cas mon pote Gakushu pour avoir passé le donjon compte. Hein, donc, le dernier. Merci à lui, c'était sympathique. Donc là, je prie pour ne pas me faire aggro. Je ne me fais pas aggro. Donc là, j'arrive sur la map du donjon du Nilesa. Heureusement pour moi, on peut tout de suite aller au Nilesa. Voilà. Donc là, je donne le liquide. Prendre vos distances. Et là, je comprends pas ce qui se passe en fait. Donc du coup, là, je comprends pas. Et là, je quitte. Et du coup, là, bah, c'est toujours pas fait en fait. S'éloigner Nilesa, putain, j'ai enfin compris. Allez, j'y retourne. Voilà. Là, je lui reparle, mais en fait, j'ai toujours pas compris. Voilà, c'est bon. Avec. Donc là, la quête se valide, enfin, se met à jour. On a obtenu une petite potion pour échanger après. Et là, il faut aller retourner voir Mercantile. Donc, Mercantile, c'est à la mairie de Frigost, en fait, c'est le PNJ que vous avez, si vous en êtes là, en tout cas, vous l'avez déjà vu auparavant dans la quête Frigost. C'est obligé. C'est lui qui valide la quête. Destination finale et puis comment là l'autre développement durable donc voilà bon, là je fais un fail Skype parce que j'étais sur Skype avec le gars et là je crois que j'avais arrêté la vidéo enfin pas la vidéo avec lui mais la vidéo enfin le commentary avec lui en fait voilà je me fous dans le mumble. Voilà, petite vie privée là qui se dévoile un petit peu sur la vidéo, mais bon, c'est pas, on s'en fout parce qu'on était tellement contents là. Voilà, donc là, on la perd. Et on va maintenant voir Finrasil qui est dans la tour des ordres à Bonta. Donc là, je sais même pas où j'atterris. Hein. Tour des ordres, voilà, je me dis, ah, c'est Bonta, ok. Et c'est là qu'on va aller maintenant choisir les trois titres. Les trois titres qu'on a à disponibilité. Une fois qu'on en est là, on peut choisir entre donc le titre Jouet des Immortels, Vengeur des Terres Gelées. Et l'autre c'est quoi? C'est Bienfaiteur de Frigost. Donc là voilà, Finrasil est ici. On lui fait un rapport. On écoute. Et là, on choisit les titres. Voilà, titre Jouet des Immortels. Vengeur des Terres Gelées ou Bienfaiteur de Frigost. Donc là en fait j'étais en train de discuter sur le Mumble pour savoir un peu avec les gens lequel que j'allais prendre. Donc voilà ils m'ont un petit peu dit. Mais franchement j'avais déjà une petite idée en tête et en fait ils m'ont dit carrément l'idée que j'avais en tête. Donc voilà ça s'est super bien passé. Et donc du coup je vais tomber sur Bienfaiteur de Frigost. Voilà j'ai choisi Bienfaiteur de Frigost. Mais c'est vrai que je mets du temps hein, à me décider, à parler avec les autres, etc. Donc voilà. Et après, je vais screen, enfin je vais pas screen, si je vais screen aussi, mais je vais vous montrer l'ornement que j'ai eu. Voilà, elle en accepte. Et on a un autre succès, épilogue hivernal. Donc ça c'est le dernier. Maintenant, voilà, là j'étais avec mon ancien titre. 7500 succès, voilà. Donc, je suis à la moitié pour 8000. Enquête principale, voilà, je suis à 90%, tout est validé. Donc là, voilà, œuf à la neige, c'est validé. Voilà, impeccable. Donc là, j'étais super content. Hein. C'était super content, c'est vraiment une grosse, grosse, grosse partie de fini, quoi. Donc là, j'accepte, voilà. J'accepte les ressources aussi qui sont très importantes. Voilà, je finis par les deux derniers. Par celui-là. Et enfin, par le dernier, voilà. Et là, j'ai le DDG dans mon inventaire, et là, je pétais le feu, quoi. Voilà, je le mets carrément et tout. J'étais trop content, là. Là, je pétais le feu, là. C'est super, hein. Voilà. Et maintenant, je m'occupe de mes titres et de mes ornements. Donc, le titre d'abord, je crois, ouais, que je cherche, il était là. Bienfaitrice de Frigost. Voilà, je trouve qu'il va super bien, le titre. Et avec l'ornement, Baroudeur Glorieux. Voilà, waouh, je trouve que ça fait super. Je sais pas
Donnez-moi des avis dans les commentaires, mais moi je trouve que ça fait super. Voilà, bienfaitrice de frigo, je trouve que ça fait génial. C'est super beau, moi j'adore. Voilà, fidèle à la Brace Anatomy comme d'habitude. Mais voilà, bienfaitrice de frigo, c'était donc un super moment. Voilà, super super moment. Et donc voilà, bah j'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, et également si j'ai bien choisi le titre, est-ce que ça rend bien sur mon personnage. Et n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Salut à tous!